Eh bien salut à toutes et à tous la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude il est 16h. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de LSPDFR. Et vous le voyez, il n'y a aucune surprise, vous l'avez vu déjà à l'intro, j'espère qu'elle vous a également plu. Vous le voyez derrière moi, vous voyez ma tenue aujourd'hui, vous me l'avez demandé énormément et je suis très content de pouvoir vous le faire aujourd'hui. Un épisode spécial hélicoptère. Alors avant de commencer les amis, qu'on soit bien d'accord, les interventions d'hélicoptère c'est assez compliqué dans le sens que nous on va pas pouvoir faire grand chose à part s'engager dans les poursuites pour ne pas perdre les fuyards. Le but des hélicoptères dans ce genre d'intervention, c'est des courses-poursuites. Donc nous, on est là, on se fait appeler pour justement ne pas perdre les fuyards. Mais à aucun moment, on va descendre en rappel parce qu'on n'est pas le SWAT. À aucun moment, on va pouvoir peut-être faire des trucs de ouf et descendre pour pouvoir interpeller. Donc nous, on est juste là pour localiser les fuyards et ne pas les perdre de vue et pouvoir donner des instructions aux collègues qui sont, eux, sur le terrain pour pouvoir leur dire, voilà, il a pris à gauche, il faut appeler des collègues en plus, faire un roadblock ici, etc. Donc aujourd'hui, c'est ça le but de la mission. On se fait appeler pour tout ce qui est course-poursuite et on est là pour ne pas perdre les fuyards en vue. Alors pour cette patrouille aujourd'hui, on va faire d'ailleurs une patrouille avant toute chose au niveau du secteur de chez Michael. C'était quelque chose que vous m'aviez demandé dans les quartiers riches. On va pouvoir un petit peu, vous allez voir, j'ai une petite caméra de intégrée à l'hélicoptère, donc on va pouvoir un peu faire de la surveillance également, voir tout simplement si tout se passe bien dans les quartiers. Donc je suis accompagné de mon copilote M Clono. Voilà, c'est totalement le... Voilà, c'est M Clono. Véritablement, c'est moi, mais... Non, quoique, attendez, si, c'est le même, hein. C'est vraiment le même, c'est M Clono, je crois. Donc voilà, donc on va tout simplement se mettre disponible pour les interventions. On va partir en patrouille. Ok, on a déjà donc une poursuite d'un homme armé. On va s'engager sur la poursuite, donc sur Pillbox Hill. Donc on a, il y a des shots fire, ok. Des coups de feu ont été tirés, donc il y a déjà un collègue qui est sur place. Il y a déjà un collègue qui est sur place à terre, donc on va lui apporter assistance, bien évidemment, pour ne pas le perdre de vue. Donc voilà, globalement, on va pas servir à arrêter les gens. Enfin, on va être très important puisqu'on va être là pour localiser. Mais voilà, on va pas mettre le pied à terre, tout ça quoi. Alors je risque de vous donner pas mal la gerbe durant cet épisode, mais je vais faire en sorte que non. Alors ok, le suspect est ici. Et c'est un pick-up, c'est un pick-up. Donc on va directement appeler une unité supplémentaire. Donc je vais vous montrer ma petite caméra, tiens, voilà, qui me permet un petit peu de zoomer et de voir ce qui se passe. Et en effet, ah ouais, il y a plusieurs gars armés. Où là on est sur une intervention assez, assez risquée, on va appeler directement le SWAT. Comme ça, on prend le moins de risques possible, parce que là en plus on est dans les quartiers chauds. Et les gars sont armés, ils doivent être plus de 4. Ils doivent être plus de 4. Donc demande un roadblock support au niveau de Alta Street. Un barrage routier. J'espère que... Non, ils l'ont mal placé, il n'y a pas de barrage routier ici, mince. Ok, ils sont à l'arrêt. Pied à terre, ils ont le pied à terre. On va juste pouvoir regarder ce qui se passe. Ok, il y a des coups de feu qui sont tirés. Oh là là, ça part en courant, ça part en courant là. Ça tire des coups de feu. Ah, j'espère qu'ils vont y arriver. Amener des unités supplémentaires là. Oh, ils sont beaucoup trop nombreux, ils sont trop nombreux. Les collègues ils se font descendre, nous on peut rien faire. Nous on peut rien faire de là où on est. Ok, ils en ont neutralisé un. Oh là là, j'espère qu'ils vont y arriver. C'est bon, les collègues sont encore en vie. Ça tire, ça tire, ça tire. Et eux, ils font quoi? Ils font rien là depuis tout à l'heure. Oh là là, ils résistent hein. Ok, c'est bon, il y a le SWAT qui arrive enfin. Ok, le SWAT arrive, c'est bon. Là, normalement, on devrait être pas mal. L'intervention va se terminer, là, à mon avis. Allez, les gars. Vous allez y arriver. Putain, mais ils font quoi? Pourquoi ils bougent pas? Putain, ils sont combien? 1, 2, 3, 4. Ok, j'ai une collègue à terre. J'ai une collègue à terre. Donc, on va appeler directement local air sur porte. Ah, mais non, 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 mince. Dommage. J'ai appelé un hélicoptère en supplément, mais c'est pas grave. C'était pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est les ambulances que je vais appeler. Ils vont réussir à l'arrêter. Ah oui, ils vont réussir à l'arrêter. Non, ils continuent de tirer. Oh là là, c'est bon. Bon, ils le neutralisent. C'est bon, là, c'est la fin, là. Je crois qu'ils ont neutralisé tout le monde. Je crois qu'ils ont neutralisé tout le monde. On va juste aller se rendre compte de l'état. Donc ouais, il y a un hélicoptère supplémentaire sur le coup, hein. Apparemment, il y a une nouvelle poursuite qui s'est engagée, je sais pas. Moi je veux juste m'assurer qu'ici ce soit neutralisé. Visiblement c'est pas encore bon. Ouais, ils sont encore là hein. Ils sont encore là. Elle va partir en courant. Elle se cache dans les buissons, elle se cache dans les buissons. Ok, je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon, intervention terminée. Pas du tout. Pas du tout, ils sont encore cachés dans les buissons là. Ils sont encore cachés dans les buissons. Alors on va perdre un peu, ok il en reste plus qu'un. On me signale qu'il en reste plus qu'un. C'est bon.
Normalement c'est bon. Par contre apparemment il y a eu des fuyards. Il y a eu des fuyards, donc dernière fois qu'ils ont été vus c'était là-bas. Donc on va aller tout simplement voir là-bas pour se rendre compte des lieux. Est-ce qu'on va peut-être retrouver les fuyards? Je sais pas, apparemment il y a eu une autre course poursuite qui s'est engagée. Donc on va vite fait y aller, c'est un petit peu le job. Donc c'est bien, on a un autre hélicoptère sur le coup d'ailleurs. Alors selon moi il serait allé tout droit d'après mon instinct policier. Bon, il y a de très faibles chances qu'on les retrouve. Plus le temps passe et moins on a de chances de les retrouver. Et à mon avis on va avoir du mal à les retrouver. Alors j'ai pas trop tout suivi parce qu'à la base voilà c'était une intervention sur des hommes armés. Et il y a une autre course poursuite qui s'est engagée. Donc est-ce que c'était des complices ou pas? Franchement j'en ai aucune idée. C'est pas lui hein. Regardez, on peut zoomer super loin hein, et ça c'est incroyable. Alors c'est dur à contrôler mais c'est assez fantastique quoi. Ok bon, je pense qu'on n'arrivera pas à les retrouver. On va encore patrouiller quelques instants. Parce que là il y a encore l'hélicoptère d'ailleurs avec nous. Ok bah c'est bon, terminé. Suspect killed, ok bon ils en ont tué un d'après les rapports mais ils en ont tué bien plus. À moins que les autres ils ont été tout simplement pris en charge à l'hôpital je pense. Ok donc c'est une fin d'intervention, donc ça s'est relativement bien passé. Je crois juste qu'on a eu une collègue à terre il me semble. Donc j'espère qu'elle va bien d'ailleurs. Mais sinon au niveau des forces de l'ordre à part la collègue tout s'est relativement bien passé. Donc les amis on va un petit peu donc patrouiller comme dit au niveau des quartiers un petit peu riches. Un petit peu les quartiers où tout peut se passer très vite hein. C'est un peu des quartiers tranquilles mais il y a pas mal de cambriolages. Wanted following vehicle. Non ça on peut pas faire, on peut pas faire ce genre d'intervention parce qu'il faut absolument qu'on soit à terre pour pouvoir déclencher ces missions. Donc nous on va vraiment se focus sur tout ce qui est poursuite et les trucs dans le genre. Donc là on est aux abords des quartiers un petit peu riches. C'est par où qu'il habite Michael, c'est là-bas hein. Attendez j'ai envie d'aller survoler la maison de Michael tiens. Il me semble, ah c'est bon elle est là la maison de Michael, attendez. On va se stabiliser comme on peut parce que c'est un peu compliqué à gérer. Voilà et la maison de Michael elle est là avec son petit terrain de tennis. T'imagines on peut le voir là, attendez, Michael? Non on voit pas de Michael hein. Oh. Ah non je croyais qu'il y avait quelqu'un. Y'a personne. Ok donc on va faire un petit peu de reconnaissance, voir les piétons, voir les voitures si tout se passe bien. Là on peut voir à combien ils roulent si on gère bien. Mais c'est très compliqué en fait, faut vraiment viser la plaque d'immatriculation. Et c'est méga chaud. J'arrive pas à scanner. Trop loin, je pense trop loin. Si les véhicules sont trop loin aussi c'est un peu compliqué hein. Pour le moment ça se passe tranquille hein. On va regarder par là. Ah voilà, là je peux scanner, là on a vu les kilomètres heure. Ok. Ce qui est dommage c'est qu'on peut pas scanner genre la plaque d'immatriculation, ça n'a pas l'air de marcher. Pourtant il me semblait que ça fonctionnait mais visiblement ça ne marche pas. Normalement en faisant des petits clics et tout tu peux... Bon ça a pas l'air d'être totalement au point quoi, bon c'est pas très grave. Et de retour les amis, je vous retrouve après un magnifique crash de LSPDFR de mon jeu GTA 5, c'est incroyable. Donc voilà, petite coupure et on se retrouve de nouveau avec Mclono, tout va bien. Bonjour Mclono. Donc on est toujours au-dessus des quartiers chauds et du coup ce que je voulais faire à la base pour que mon jeu plante, j'avais simplement demandé une course poursuite. Grand F Toto, et ben voilà, un petit vol de véhicule qui nous a été signalé, bah parfait, ça se passe donc dans les quartiers chics. Donc on va prendre tout de suite, donc on n'a pas de véhicule à sa poursuite, on nous l'a juste signalé du coup que le véhicule a été volé. Donc on va tout simplement établir les lieux, voir le véhicule concerné. Ok je le vois, il double tout le monde. Ok c'est une belle voiture visiblement d'ailleurs, hein. C'est une belle voiture. Donc on va demander directement un roadblock, j'aimerais un roadblock sur Marlow Drive, direction Est. Ok ils se sont mis sur un petit chemin, j'espère qu'il va tourner à droite, tourne à droite, tourne à droite. Eh non il tourne pas à droite, mince, ils ont mal mis le barrage, complètement con les collègues. Bon, on va déjà appeler une patrouille locale à la poursuite directement. Faut juste pas qu'on perde de vue. Hein. Véhicule rouge, véhicule rouge. Ah, il y a beaucoup de véhicules rouges d'ailleurs. Là, je vais pas ouvrir ma caméra parce que faut absolument que je me concentre pour ne pas perdre le véhicule. Allez, directement un Spike Strip Support, donc des hearse au niveau de du Lake Vinewood Drive. Yes, vas-y, vas-y. Il s'est pris les hearse, il s'est pris les hearse. Il a plus de roues, il a plus de pneus. C'est bon, ses pneus vont éclater là. Bon là il est super bien ralenti, donc là il suffit juste que les collègues lui fassent une tête à queue et il va dans le décor. Hein. Normalement là il a plus de roues, il a plus de pneus. Là il est super lent, donc là c'est impeccable, on n'a plus qu'à voir la tête à queue qui va se faire. Regardez-moi ça, ça va être magnifique, ça va être magnifique. Vas-y ouvre la cam, regardez-moi ça, il a plus de pneus, hein, on est d'accord. C'est bon là, regardez, il s'est fait percuter tout seul. Et ben voilà. Alors il va se rendre j'espère. Là il est bloqué de toute façon. Hein. Ah là il est cuit-cuit hein. Là il est cuit-cuit.
Ok, il y a deux collègues sur place. Oh, il a renversé les collègues. Il a renversé collègues. Il a renversé collègues et il repart. Il repart. Il repart malgré qu'il roule sur les jantes. Hein. Ok, là ça commence à devenir assez complexe. On rappelle une patrouille locale. Ok, il se rend. Après avoir renversé, il se rend, c'est bon. Il a les mains en évidence. Il va se coucher au sol. Ok. Il se rend. Le collègue va s'en occuper, parfait. On vérifie que tout se passe bien avant de repartir. Ok. Putain, elle a renversé un collègue, j'espère qu'il va bien d'ailleurs le collègue. Ok, c'est un code 4, fin d'intervention, suspect appréhendé. Et ben voilà, ça s'est bien passé, le collègue il va bien j'espère. Attends, le collègue il est à terre encore, attendez, bougez pas. J'ai cru le voir à terre. Ah non, il est debout, c'est bon, tout va bien. Parfait, donc nous on va pouvoir repartir tranquillement, c'est une belle fin d'intervention. Ça fait extrêmement plaisir. Je trouve ça assez intéressant, alors non pas l'envers du décor, mais finalement de faire une patrouille en hélico. Parce que c'est vraiment la même chose que quand nous on est à terre et qu'on appelle un hélicoptère. C'est-à-dire qu'il est juste là pour nous, nous aider. Et puis après, une fois que l'intervention est finie, bah, il repart quoi. Hein. Tout simplement. Bah parfait. Alors là, le soleil va se coucher, c'est incroyable. C'était pas prévu puisque comme le jeu a crashé, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un freestyle. On va laisser le soleil se coucher comme ça. Le soleil se coucher, si ça se dit. Voilà, comme ça, ça nous fait un beau coucher de soleil là. Tout le reste de la vidéo. On va se faire encore une petite intervention les amis. Et puis on va s'en arrêter là parce que vous voyez, c'est pas non plus nécessaire de faire une trop longue vidéo pour ça. Donc on va se refaire, vous savez quoi, une poursuite. Est-ce qu'on n'a pas d'autres trucs? Haute poursuite, bah voilà. On va prendre ça, haute poursuite d'une voiture armurée. Donc une voiture qui est un peu anti-balle quoi. Ok, on a déjà un collègue qui l'appréhende. Ok, il est là. Je vois le véhicule. Il se fait déjà poursuivre. On va juste regarder un petit peu pour se rendre compte du bordel. Ouais, donc c'est une voiture plus ou moins safe et qui à mon avis s'en fout des balles qu'on pourrait lui mettre. Hein. Très bien. C'est un peu une voiture mastodonte comme je les appelle quoi. Ok. Donc je sais pas s'il y a des coups de feu qui ont été tirés par contre. Donc pour le moment on va juste se contenter d'assister le collègue. Il a pas l'air de... Enfin il fait un refus d'obtempérer hein, mais il est pas en train de prendre la fuite de ouf. Hein. Il est pas en train de prendre la fuite de ouf. Allez, je donne l'autorisation pour rappeler une unité locale au niveau du Vinewood Lake. L'avantage aussi c'est qu'avec l'hélico bah, les collègues ils peuvent m'identifier facilement. Donc les collègues qui sont loin quand on les appelle bah, ils voient l'hélico, ils ont juste à se joindre à la poursuite. Donc ça c'est aussi un truc assez intéressant quoi. Ok, c'est en train de taper. Ok, tête à queue. Pas effective, ok. Demande des herses. Pareil au niveau du Vinewood Lake direction est. Bah comme avant en fait. Et comme avant ils les ont mal foutus. Putain. Ils se sont mis à gauche. Il va tout droit. Ok, pas effectif, hein. Pas du tout effectif. On va recommencer, on va refaire la demande dans quelques instants. Le collègue, il a son véhicule totalement défoncé. Hein. Totalement défoncé. Il essaye de faire des têtes à queue, mais ça sert à rien. Il a les pneus qui sont pas crevés. Allez, de nouveau, un Spike Strip Support. Oh, le bâtard, il est tourné à droite. Il va rentrer dans la ville, là. C'est pas bon, faut pas qu'il rentre en ville. Ne le laissez pas rentrer en ville. Hein. Ok, il vient de percuter un civil. Roadblock support, c'est bon, il y a un barrage routier qui s'est mis, il va se le prendre, il a évité le barrage routier, putain, c'est pas vrai. Ok, il y a des coups de feu tirés de la part des forces de l'ordre. Ok, tête à queue, bien joué, ils ont immobilisé le véhicule, il repart, putain, il l'avait immobilisé, il fait chier. Là, il rentre dans la ville, c'est pas bon, là, il faut mettre des herses de partout, les gars. Faut surtout pas qu'il rentre dans la ville. Tourne à droite. J'espère qu'il tourne à droite. Il tourne pas à droite, putain. C'est pas bon. Allez, on rappelle des unités supplémentaires dans la ville là. Allez, par contre, je peux plus manœuvrer le. Voilà. Ok, là, il fait un face à face avec des collègues. Face à face. Ça tape. Ok, il s'est fait immobiliser. Véhicule immobilisé. Il va repartir. Il repart. Alors j'arrive pas à voir combien ils sont parce que du coup les vitres sont teintées. On essaye de faire de la reconnaissance en hélicoptère mais on n'arrive pas à savoir combien ils sont. On sait pas s'ils sont armés. C'est ça ce qui est assez compliqué hein, comme situation. S'ils rentrent en ville ça va être la merde parce qu'il va pouvoir se cacher dans les souterrains et moi je pourrais rien faire. Ok, tête à queue effectif, bien joué les gars. Ils sont forts les collègues hein. Allez, on remet des spike strips s'il vous plaît au niveau du boulevard là. Dorset Dive. Oh, il va se prendre les herses.
Non, il a compris, il a fait demi-tour. Ah, fait chier. Ah, il va jouer sur nos nerfs, il va jouer sur nos nerfs, le gars. Ok, il joue totalement sur nos nerfs. Voilà, mais il faut rappeler du backup, hein. Backup, backup, backup. Il roule pas vite du tout, hein. C'est ça ce qui est excellent, quoi. Il s'amuse juste, en fait. Pour le moment, il est pas dangereux. Après, il a quand même un comportement dangereux, là. Il grille les feux rouges. Il va mettre en danger. Bah, il a déjà tapé dans des civils. Ok. Voilà, ils vont bien y arriver, ils vont bien y arriver, hein. Puis c'est rigolo aussi d'être un petit peu passif. Finalement, moi je suis utile derrière pour surveiller. Mais moi je sers vraiment à rien. C'est à dire que là je vois vraiment les collègues gérer la mission. Ah, ils osent pas lui taper dedans là. Ils osent pas lui taper dedans. Oh, c'est dangereux là, c'est dangereux. Comportement dangereux, les gars. Hein. Faites quelque chose. Hein. Ah, c'est pas bon ça. C'est maintenant, des Hers. Dès maintenant, Hers. Dorset Drive, direction ouest. Mais c'est pas vrai. Pourquoi vous le mettez dans le golf? Ils ont mis au golf. Et à aucun moment il va tourner dans le golf. Ils sont complètement cons, les collègues. Non, mais ils sont bêtes, hein. Je donne vraiment mes... Oh. Ok, j'ai un moteur de la police qui le poursuit. Comme ça, on est vraiment sûr qu'on le perdra pas. Ça, c'est clair. Il va reprendre. Sortie de la ville. Il va ressortir de la ville. Allez, il me faut des Hers, là. Eclipse Boulevard Ouest, direction nord. Oh là là. Allez, come on. C'est bon, ils les ont bien placés. Pas du tout. Mais ils sont dans le golf, les abrutis. Mes collègues, ils ont mis les Hers dans le golf. À quel moment je vous ai dit qu'on était dans le golf? Ok. Il prend à droite. Il renverse des poteaux. Il fait demi-tour. Il continue sa trajectoire. Eclipse Boulevard Ouest, direction Est. Oh là là. Il commence à nous faire du n'importe quoi. Là, on commence à avoir beaucoup d'unités sur le coup. Les Hers n'ont pas été posés où il fallait. Bon, en même temps, là, pour le coup... Il a tourné, il s'est fait avoir. Oh, il re-rentre dans la ville. Là, on vient de passer à côté de chez Michael, c'est excellent. Bon. Est-ce que je peux pas changer la tactique? Y'a pas moyen de changer la tactique. Y'a pas une histoire là. Police radio. Settings. Non. Genre pour les rendre un peu plus agressifs, les collègues, je sais plus comment on fait. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, là il joue sur nos nerfs. Il y a combien de patrouilles sur lui là? Il y en a beaucoup trop. Hein. Il y en a beaucoup trop pour un seul homme. Hein. Ok, il prend pas l'autoroute. Spike strip, il renverse des poteaux. Là on est sur l'avenue de Palomino, direction sud. Oui, c'est bon ça, les Hers. Il va se prendre les Hers. Il s'est pris les Hers. C'est bon, il roule sur les jantes. Faites-lui une tête à queue. Il va se rentrer tout seul à la limite. Faut pas qu'il passe sous les ponts là. Faut pas qu'il passe sous les ponts, sinon moi je pourrais rien faire. Bon là il roule sur les jantes, là c'est terminé pour lui, c'est bon. Ah, ils ont enfin réussi, là je sais pas où il va. Il va tout droit, c'est bon, il va se faire avoir là. Il peut plus rien faire. Il est bloqué, il est cerné, je comprends pas pourquoi il se rend pas. Ok, il vient de se rentrer là, à mon avis. Il a réussi à repartir, il est tout devant. Putain, c'est quand qu'il se retourne là? Là il peut complètement se retourner, il roule sur les jantes. Ok, roadblock sur porte. Barrage routier au niveau de Vespucci Boulevard, direction Est. Boulevard de Vespucci, voilà, barrage routier, parfait. Parfait. C'est bon les gars, il est cuit. Oh le bâtard. C'est bon, il est bloqué, c'est bon, il va se rendre. Elle se barre à pied, elle s'est fait taser, bien joué. C'est bon ça. Ok, elle était toute seule, hein. Individu toute seule. Elle est pas armée et elle se rend. Oh, c'est bon ça, regardez-moi tout ça, ce dispositif. Parce que c'est pas excellent quoi. Yes. Allez, prends ça dans tes dents là, madame. Putain, elle était déterminée cette femme, hein, quand même. Hein. Ok, un code 4, hein. Fin intervention, regardez tous les effectifs quand même. Regardez tous les effectifs, c'est impressionnant quoi. Ok, code 4, tout s'est bien passé, j'ai cru que. Hey. Ok, bah c'est une fin d'intervention. Et bah en plus, c'est bien, on est à côté de notre police station. Donc on va tout simplement arrêter notre patrouille ici. Et puis on va. Regardez, on va se poser comme des professionnels. Ah, j'ai eu mon brevet de pilote d'hélicoptère. Hein. Voilà. Hop, on se positionne. J'espère que ça vous a plu, les amis, cet épisode. Très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et pour le coup, pourquoi pas en refaire quand même. Alors, pas souvent non plus, hein.
Enfin, je veux dire, pas tous les jours, hein. Mais on pourrait en faire quand même assez régulièrement, parce que c'est quelque chose qui est assez sympa. Enfin, assez régulièrement. C'est un truc que je pourrais refaire assez rapidement, parce que ça m'a quand même bien plu. Pour le coup, c'est assez intéressant. Hop, on va se poser. Tout simplement. Impeccable. Donc voilà, si cet épisode, si cette vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Vraiment, n'hésitez surtout pas, j'insiste, parce que il y en a souvent, bah, ils apprécient les vidéos et ils mettent pas le petit like parce que bah, soit ils osent pas, soit ils veulent pas, soit je sais pas. Je sais pas pourquoi et après je peux comprendre aussi. Donc n'hésitez surtout pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochains épisodes et pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, merci à tous. Ciao tout le monde.